Et salut tout le monde, c'est Jelon2 pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait assez longtemps, j'ai jamais fait de let's play vraiment sur ma chaîne, sur d'autres jeux que Minecraft, etc. Donc aujourd'hui, il y avait une promo Steam. Je me suis dit pourquoi pas l'acheter, parce que j'ai essayé le jeu gratuitement vu qu'il était gratuit ce week-end. Puis en gros aujourd'hui, j'ai à peine joué, enfin j'ai téléchargé aujourd'hui, j'ai fait le deed Axel, j'ai bien aimé. Donc j'ai direct acheté. J'ai acheté la version Arden Assault, donc ça s'appelle Company of Heroes 2. C'est un jeu de stratégie pendant la guerre. Normalement, on représente soit des Russes, soit des Allemands, mais moi, vu que je suis belge, je me suis dit pourquoi pas faire la bataille des Ardennes. Donc, vu que je suis tout nouveau et je ne suis pas un PGM, vu que j'ai fait que le deed Axel, hein, je tiens à le dire, m'insultez pas dans les commentaires en me traitant de gros noobs, je découvre. Donc, je vais mettre en facile, hein, parce que ce sera un petit peu con que je me fasse défoncer après 30 minutes, hein. Donc c'est la campagne, hein. Voilà. Donc voilà. J'ai pas encore vu, j'ai jamais commencé la campagne, donc pour moi c'est totale surprise. Hop, allez, c'est parti. Je crois qu'il y a une petite Depuis animation, la voilà. Je petite vous laisse prise des regarder. plages de Normandie en juin de l'année 1944, les forces alliées ont établi un front de fer au travers de l'Europe autrefois occupée. Ils ont conquis le territoire ennemi, enchaînant victoire sur victoire, tout en libérant des millions de personnes de la tyrannie. Mais le succès a toujours eu un prix élevé. Nos forces ont avancé à vive allure et étendu les lignes de provisions alors que l'épuisement atteignait les troupes. Avec l'arrivée de l'hiver, le commandement allié a dû ordonner une halte le temps qu'un réapprovisionnement soit mis en place. Pour soulager la pression ailleurs, la rude région des Ardennes, située à l'est de la Belgique, offre un front calme, pouvant être tenu par de nouvelles recrues et des hommes fatigués, le temps qu'ils se reposent avant le début de l'assaut en territoire allemand. Yaya, Arjunia. Bon, bref, tous les graphiques sont maximal, donc au maximum, donc j'espère que ça ira. Voilà. Moi, à part le deed Axel, c'est la seule chose que j'ai faite. Et par chance pour vous, on a des unités d'échelon arrière disponibles pour aider. Désactiver, désactiver, désactiver. Ah, ok, ils sont ici. Ta gueule! Alors, où est-ce que je vais aller? Demander deux unités d'infanterie d'échelon arrière. Commander deux unités d'infanterie d'échelon. C'est quoi que je fais? Ah, ok. Ok! Bon bah. Non, bah, droite cliquer deux fois sur le bouton l'échelon arrière pour déployer deux sections. Unité d'échelon arrière, parée à l'action. Deux fois? Ils ont tout pigé pour ce qui est de la Ah, d'accord. construction de défense. Alors on va les aider avec le checkpoint. Bon, j'espère que ce sera pas trop ennuyant. Affirmatif, sœur. On est prêt, commandant. Allez, allez, grouillez-vous, bande de petites bides, là. Tiens, mais qui voilà? Bienvenue à la fête. J'espère que vous ne devez aller nulle part. C'est qui, eux? Ah, ok, c'est les nouvelles troupes. Eh, ils sont pas mal. On est nice. C'est parti! Allez, en route! On va attendre les deux petits derniers. On va pas partir sans eux, hein. J'ai des ordres pour vous. Ok, on se met en route. Allez. Eh, bande de petites bites là. Tenez-vous prêts. Unité d'échelon arrière sur le front. Go, 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 motherfuckers! Donc eux, ils ont des grenades. Grenade! Voilà le deal. Trouve des champs. Réparer n'importe quel véhicule, structure ou point endommagé. C'est de la merde comme troupe. Chaque véhicule touché par la grenade sera temporaire. Oui, bon, sans doute, c'est fumigène, quoi. Je vais appeler grenade d'ananas pour tuer ou blesser l'infanterie dans un rayon de 4 mètres. Efficace contre l'infanterie et les armes collectives.
Ouais. Et ça, c'est quoi? Tire simultané. Grenade à fusil anti-char. Bon, allez, c'est parti. Allez, les copains, on part à la guerre. C'est des hommes, ok? Bon, avoue que les graphiques au maximum, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je sais pas, j'ai que 25 FPS. Mais bon, j'ai tout mis au maximum. Ouais, c'est bon, Jackson. Paul. Go, 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 Checkpoint Fox. J'avoue qu'ils sont pas mal les graphismes. Hein. Ah, tout est mis au maximum donc. Capitaine Derby, content que vous soyez enfin arrivé. Donc je m'appelle Derby. Cette guerre n'a pas l'air de vouloir finir, donc on a le temps de faire un tour. Bon sang, on voudrait pas que vous vous froissiez un muscle à vous dépêcher pour nous. Je vais trouver des repas chauds et des douches pour les hommes à Rochrath. J'en ai bien besoin. Ok, je dois aller où maintenant? Je me balade, je fais quoi? On y va. Bon, mais... Ce checkpoint doit être nettoyé. Il commence à y avoir foule ici. Si on reste ici tout l'hiver, on va avoir besoin de se mettre à couvert. Commençons par construire une position de combat là-bas, entre les deux tranchées. Fermez-la et écoutez. On va les laisser parler. Construisez une position de tir. Ah, ok. Tenez-vous prêts, soldats. J'ai reçu des ordres. Tenez-vous prêts. Okay. On va mettre les l'infanterie là. Ici plus ou moins. Vous. Ah d'accord. Donc toi. Vous. Vous vous mettez ici. Vous. En fait les petits points verts, ça veut dire qu'ils sont très bien protégés. Du coup on va. Eux, vu qu'ils servent pas vraiment à grand chose là pour l'instant, c'est surtout eux qui tirent donc voilà. Écoutez, voilà le deal. Eux, c'est plus des supports en fait. J'ai des ordres pour vous, soldats. Allez, les gars, c'est parti. Écoutez, les gars. Prenez votre matos, on y va. Allez, c'est bon là, je crois. Hein. Je crois qu'on est bien mis. Défense de campagne, contrôler les champs de bataille avec les défenses. Petite structure défensive peut être améliorée avec une amélioration. Une mitrière. Une... Oh! Ok, comme ça! Mais utilisez votre troupe des champs arrière pour construire une position de combat ici. Je vais juste mettre ça. Bien protégé. On va mettre ça comme ça. Hop là. Ça attaque tout ce qui va venir de. Ici. Je sais pas en fait. Là c'est bien. Comme ça, eux ils vont défendre. Ouais, voilà. Utilisez votre bléchon arrière pour construire une position de combat ici. Okay. Bon, bah construisez, hein. On s'en met plusieurs? Ah, c'est intéressant ça. Hop là. Là on est bien. Avec la magnifique musique. Putain, le son est magnifique, je trouve. Hein. Y a rien de plus beau, quoi. Mettez-y une M2 pour couvrir la zone. Une M2. Mettez en place une position de tir, là. Bon, construisons quelques pièges anti-char sur la route, près de ce checkpoint. Mettez en place une position de tir, là. Renforcez cette position de combat avec de la... Ouais, ils doivent travailler. Il y a quoi ici? Pour ordonner le repli des sections, sélectionnez le bâtiment et cliquez sur le bouton sortie de troupes. Notre position de combat est maintenant équipée. Mitrailleuse de position de combat en place. Bien compris. Position de combat est maintenant équipée. Écoutez, troupes. Ok, on se met en route. Allez. J'ai des ordres pour vous, soldats. Allez les gars, c'est parti. Je compte sur vous les gars, ok? Faites pas de la merde. On va la gagner cette guerre. Prenez votre matos, on y va. Alors, on a encore fait un truc ou quoi?
Écoutez, voilà le deal. Un piège anti-char. Oh, je pensais que j'avais fait. Wow, c'est ce que je fais, boulouse. Ah ouais, ok, d'accord. Au calme. Putain, toutes ces défenses, c'est juste excellent ce jeu. Moi, j'adore. Allez, travaillez, bande de petites bites. Ah, ok, ils sont obligés de... Écoutez, les gars. Ok, faites comme vous voulez. Activez-vous, c'est parti. Ok, ils savent pas travailler. Bon, ça va être un petit peu de temps. Ouais. Je crois que je vais mettre une petite ellipse. Hein. Parce que sinon, ça va vraiment être trop chiant. Qu'est-ce qu'il dit ? Préparez-vous à y aller, les gars. Utilisez votre troupe d'échelon arrière pour construire des pièges anti. Ah, ok, merde! Bon, bah, c'est ce que j'appelle un fail. Comment on fait pour annuler la construction? Putain, je sers vraiment à rien, quoi. Est-ce qu'on sait détruire ça? Bon, on va laisser ça comme ça. Tenez-vous prêts, soldats. J'ai reçu des ordres. Allez, les gars, c'est parti. Attention, à couvert. What? D'où ça vient? Utilisez les bunkers. Nous avons besoin de quelqu'un dans le Mirador. Les bunkers. What? What? Ok, au calme. Quelqu'un me dise qui joue à attaquer, peut-être. Je sais pas. C'est quoi ça? Beaucoup de bâtiments peuvent fournir un abri aux troupes. Non, vous restez là, bande de petites bites. Ah! Nein! On s'amuse! Putain, c'est le bordel! Nous avons besoin de soutien à l'artillerie ici! Bon sang! Hey, qu'est-ce que vous branlez, vous? Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Super, un clic gauche. Attends, faites un clic gauche sur le bouton d'artillerie. Ah, ok. Good. Ça empêchera les ennemis d'approcher. Concentrez vos tirs sur tous les gars arrivant des flancs. Eh, merde. Ta mère, le flanc gauche. Oh putain! C'était plus simple dans le didaxiel, hein! Ah, ok. Est vers le nord. Bah, moi je gère pas trop. Nous vous tiendrons au courant quand nous en saurons plus. Ouais, j'en serai. Ouais, j'ai réussi. Ok, comme ça. Ce que je vais faire, je vais juste mettre les graphismes un tout petit peu moins bien. De toute façon, ça change pas grand chose. Hein. Ouais. Bah comme ça ce soit bien fluide, c'est mieux. Bon allez, je vous reprends. Bon bah ça fait 15 minutes, donc
Le temps passe vraiment vite hein, quand on joue. Bon allez, à 20 minutes, je vais vous laisser. C'est parce qu'en fait j'adore le jeu, alors autant que je me filme quoi. Putain, j'adore ce jeu quoi. Non, je vous le conseille vraiment. Seriously, ouais. Bon, là, je devrais avoir plus de FPS. Hein. Bon, les graphismes sont moins bons, mais bon. J'ai fait détection auto parce que j'avais flemme de regarder qu'est-ce qu'il fallait mettre pour que ce soit le plus optimisé, mais bon. Vu que j'ai la flemme, hein. Bon, c'est aussi bien comme ça. Hein. Bon, allez, c'est parti. Je m'étais dit que j'allais faire un truc, mais en fait, non. Ok, donc l'antenne elle est là. Où ça? Et merde, ils nous prennent par le flanc gauche. C'est quoi ça? Mitraillage au sol. Ouais. Est-ce que c'est vraiment utile pour l'instant? Ouais, non. Parachutage de munitions. Ah, on a besoin de munitions, c'est ça? Ok, bah si vous le dites. Les paras arrivent avec des cadeaux. Attention à la zone de largage. Pauvre petit. Tu vas nous manquer, Joe. Bon, je sais pas s'il va rentrer au QG comme ça. Hein, je sais pas trop où il va. Mais bon. Hein, il fait ce qu'il veut. S'il veut ramper dans la forêt qui fait peur ou rester avec ses copains... Un peu débile quand même, hein. Utiliser des éclaireurs pour construire une balise ici. Les éclaireurs, c'est eux, je suppose. Alors. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, dis. Et les éclaireurs. Allez. Chercher. Ok, les éclaireurs, ils savent faire quoi? Installer la balise. Ouais, bah. Ouais, ok, bah c'est ça. Donc ça, c'est les munitions. Du coup, ce que je fais, je prends les munitions. Hop. Bon, ils ont pris les munitions. Alors. Ah. Putain, mais ils sont loin. Putain, couvrez-vous ici. Mais merde. Ah. Shit. Ok, là je vais faire un sale truc. Attention, ne faites pas ça chez vous. Et waouh. Si ça c'est pas cool. Par contre, il nous faut un petit largage de parachutistes. Il est un petit peu seul contre 8, non? C'est exact. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Assassiner, casser. Capitaine Jackson, non! Yes. J'ai besoin de vous, les gars. Ah, faut avouer que c'est chaud en fait ce jeu. En même temps, je. Attendez, vous savez quoi? On va y aller un petit peu à la YOLO. Les 47 Thunderbolt prêts à faire pleuvoir les missiles.
Ok, là il y a les parachutistes. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Toi. Il faut achever les mecs, sinon ça va pas le faire. Ok, c'est parti. Ils ont l'air un peu blessés. Bonjour, la moitié de mes jambes sont enfoncées dans la neige. Kai Kai. Ok, bon, on a tout là. Pluie de roquettes, waouh. Putain, c'est tout stylé ces trucs là. Et voilà, ça c'est fait. Putain, le temps il passe hyper vite sur ce jeu. J'ai pas allumé le chrono. Oui, nous te recevons. Ouais, bon, il y a un petit peu la moitié de mes troupes qui sont mortes. Ok. Ah. Ok. Je propose qu'on se quitte ici. Allez, c'est parti. C'est la fin de ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc, ouais. A plus.